Donc bah pour moi c'est une bonne occasion de faire des photos avec deux personnes pour le coup. Ils sont en train de boire le thé et de discuter probablement des affaires courantes du village. Bienvenue dans Roll Films et la suite de ce reportage sur les Bédouins dans le désert de Judée. Je suis retourné dans le village de Ran al-Ahmar et j'ai pu dormir chez l'un de ses habitants qui s'appelle Ibrahim. Et j'ai donc choisi sur cette nouvelle pellicule une photo d'Ibrahim et de son voisin dans la cour de sa maison. Ils ont l'air un peu inquiets et du coup ça fait un peu référence au risque de destruction de ce village. Donc me voilà dans le bus à nouveau. Je suis parti de Jérusalem ce matin-là pour retourner à Ran al-Ahmar. Donc en descendant du bus, on arrive directement dans le désert de Judée. Et il faut donc marcher pendant un bon moment le long de la route. Il fait très très chaud ce jour-là. Tout est très sec autour. Et je finis par arriver donc dans le village de Ran al-Ahmar. Et j'utilise la technique que j'ai utilisée déjà en Arménie, qui est de montrer une photo de la personne que je cherche pour qu'on m'indique où je dois aller. Voilà, donc j'avais pris contact avec Ibrahim, un des habitants de Ran al-Ahmar, qui a bien voulu m'héberger pour quelques nuits pour que je puisse rester sur place et continuer à faire des photos. Et donc j'arrive chez lui, il n'y a personne pour le moment. Et donc on m'a fait signe de m'installer ici en attendant Ibrahim, qui est arrivé un peu plus tard. Le voilà. Donc je prends quelques photos de lui sur son téléphone, avec le thé à côté. Donc on a du mal à communiquer, hein, comme d'habitude. Il ne parle pas anglais, je ne parle pas arabe, donc tout ça se fait de manière un peu tacite. Et je suis content de pouvoir être un peu chez quelqu'un dans ce village. Et donc voilà, ça c'est plutôt une bonne photo avec ce regard qu'il a vers l'appareil photo, avec sa cigarette à la main. On voit aussi le téléphone, la théière à côté. Et puis voilà, il est habillé en habit un peu traditionnel des Bédouins avec ce keffieh qu'il porte sur la tête, sous la tente du coup. Et voilà, en fait, un peu plus tard, il y a son voisin qui vient lui rendre visite. J'ignore pour quelle raison, mais je me présente. Donc, il s'appelle Youssef. Et donc, pour moi, c'est une bonne occasion de faire des photos avec deux personnes pour le coup. Ils sont en train de boire le thé et de discuter probablement des affaires courantes du village. J'essaye de cadrer correctement cette photo là aussi. Et elle est pas mal, elle est mieux que la précédente parce que j'aime beaucoup le regard de Youssef du coup sur cette image, sa façon de regarder Ibrahim d'une manière un peu sérieuse. Et puis on a Ibrahim du coup bien de profil, pareil avec le regard un peu vers la gauche du cadre. Et voilà, bon, les deux sont habillés de la même façon avec ce keffieh. Donc je fais une nouvelle photo. Je pense que la précédente était meilleure parce que le regard de Youssef était sur Ibrahim, donc c'était un peu plus intéressant.
je refais une petite mesure de lumière. Là, je prends plusieurs photos parce que j'ai eu beaucoup de mal à rencontrer des gens, à avoir des scènes un peu quotidiennes dans ce village dans l'épisode précédent. Donc là, j'en profite. Hein, j'aimerais bien avoir une photo réussie de cet échange entre les deux personnes. Et je pense que sur les trois photos, la meilleure était celle où Youssef regardait Ibrahim. Hein. Là, je m'éloigne un petit peu sous la tente pour avoir une photo un peu plus globale des deux personnages. Alors, c'est pas terrible ici parce que c'est vraiment surexposé dans le ciel. Ils sont à l'ombre et derrière, la lumière est vraiment très forte. Même la composition est pas idéale, mais bon, j'essaie des trucs. Et donc, je tourne un peu autour de la scène. Là, on voit cette grande tente pour accueillir les invités. Donc voilà, je tourne un peu autour de la scène, là je suis un peu mieux placé, en fait je me suis juste un peu éloigné par rapport à avant, et c'est la photo donc que j'ai choisie sur cette pellicule, parce que je pense qu'elle montre plus le contexte des personnages, on voit plus d'éléments autour. Il y a la bonbonne d'eau à gauche, la théière, le téléphone, le petit verre de thé, les coussins. Et puis j'aime bien aussi leur posture un peu dans la tente, comme ça, un peu inquiet. Ce qui indirectement peut faire référence du coup un peu au problème de ce village, à savoir qu'il est menacé depuis plusieurs années de destruction par les autorités israéliennes pour installer à la place des colonies israéliennes, agrandir les colonies israéliennes qui sont dans la région. Donc voilà, je trouve que le regard inquiet notamment de Youssef peut faire un peu référence à ça dans le cadre du reportage. Alors je ressors, faire un tour à nouveau dehors. Pour faire des photos, il y a ce drap devant l'entrée de chez Ibrahim qui est assez photogénique. Et puis le soleil se couche doucement, donc c'est un moment de la journée où il fait un peu moins chaud. Je peux en profiter pour faire des images. La lumière est un peu moins dure que pendant la journée aussi. Donc là on a une vue sur le petit village de Ran al-Ahmar. Et en marchant, je tombe sur cet âne que j'essaie de prendre en photo, un âne tout blanc à côté de ce cabanon. Donc voilà, là je le cadre avec un peu le soleil à gauche pour obtenir ce flair. C'est une photo qui est sympa et je me dis que ça vaut le coup de tourner autour à nouveau du sujet pour essayer de trouver un meilleur axe pour prendre cette photo. Et là de face, je pense que je peux avoir quelque chose de plus intéressant. Avec cet âne qui est bien éclairé par la lumière du soleil qui se couche. Et puis il y a ces espèces de drapés aussi sur le cabanon qui sont un peu mieux visibles de ce point de vue là. Donc je me recule un peu, je recadre, je déclenche et je pense que c'est en effet une meilleure photo que la précédente. Parce qu'on voit bien ce drapé sur le cabanon en tôle. Et puis l'âne devant, derrière on voit un petit peu le village. Et voilà, l'âne c'est un animal très important dans les communautés bédouines parce qu'il permet de se déplacer dans le désert. J'ai vu beaucoup de bédouins à dos d'âne. Je monte un peu sur la colline en face du village pour avoir cette vue. Et donc il y a quelques moutons qui essayent de manger ce qui reste d'herbe, là on est au plein mois d'août, tout est très sec, on voit bien ces poteaux électriques là qui contournent en fait le village, parce que le village n'a pas d'électricité, ce sont les lignes électriques qui desservent en fait les colonies israéliennes autour. Et il y a ces enfants qui jouent au pied de ce poteau électrique. Une photo d'eux complètement à contre-jour avec le soleil qui les éclaire, et c'est une image que j'aime bien, il y a un peu de mouvement avec cette petite fille qui descend la colline. On voit aussi du coup le poteau électrique avec les câbles qui disparaissent dans le soleil, et puis derrière les collines du désert de Judée. Donc je m'approche un petit peu de la scène, et en fait en me retournant, il y a cet enfant qui est resté devant ce poteau électrique, et je déclenche cette photo. Donc voilà, c'est une photo que j'aime bien parce qu'il y a la composition avec les différents poteaux électriques, notamment le câble. Au fond à droite, on aperçoit un troupeau de moutons. Et il y a cet enfant avec un livre de l'école probablement, donc au pied du poteau électrique qui fixe l'objectif comme ça. Ces villageois sont du coup éleveurs de moutons et c'est souvent les enfants en fait qui s'occupent des troupeaux. Je lui dis super. Et je retourne
dans le village, parce que le soleil va se coucher. Retour chez Ibrahim, qui n'est pas là. Il a dû faire un tour dans le village. Et voilà, le soleil s'est couché. Alors j'essaie de faire une photo un peu de nuit depuis ce point de vue de chez Ibrahim, où on voit la route aussi au fond. Alors bon, c'était vachement compliqué parce que là je suis avec une pellicule à 400 ISO, donc pas très sensible à la lumière. C'est pas une pellicule qu'on utilise de nuit normalement, mais bon, je tente un essai. C'est un peu sous-exposé, on a beaucoup de grains et on perd du détail au niveau des cabanons, mais bon, c'est quand même une photo que je voulais vous montrer. Donc voilà, j'ai posé mon appareil photo sur un truc stable pour pouvoir faire cette photo. Et donc voilà la tente sous laquelle je vais passer la nuit chez Ibrahim. Et le lendemain matin, je peux suivre du coup sa fille qui emmène le troupeau pour paître dans les collines, dans les vallées alentour du village. Mais ça, ce sera pour l'épisode suivant, parce que c'est la dernière photo de cette pellicule. Voilà, donc dans l'épisode suivant, on verra la suite de ces photos, du coup, avec le troupeau qu'on emmène paître dans les collines autour. Et j'irai aussi dans des villages que je n'ai pas encore visités pour faire de nouvelles rencontres. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Ciao.